commencer, je vais vous demander de vous présenter le groupe, de vous présenter individuellement, et puis votre rôle au sein du groupe, et puis... Vas-y. Sylvain, ouais, je suis le batteur de Trépalium. Voilà. Moi, guitare, voilà. Haroun. Kéké, au chant. Eh bien, à l'origine, c'est un groupe de death metal qui était un petit peu porté sur les trucs un peu groovy. Et on a dérivé sur, notamment à travers le travail des samples, sur l'aspect un peu big band du groupe. Donc il y a pas mal de cuivre, pas mal de syncope. Donc, ça fait une espèce de crossover entre la musique des années 30 new-orléanaise et le metal d'aujourd'hui. Voilà. C'est une longue histoire. Alors, t'as 2-3 jours devant toi. Je vais essayer de la faire courte. J'ai commencé le projet avec une boîte à rythme, une guitare que j'empruntais à Ludo, le bassiste. Parce que lui, il était guitariste dans un groupe de grind, et donc il me prêtait sa gratte, et lui, il taxait une basse. Et voilà, on s'était mis en tête de trouver un batteur et un autre gratteux. Et sans avoir une idée précise non plus du truc, quoi. J'avais juste fait une maquette et voilà, on voulait se lancer dans l'aventure. Et on a très vite trouvé Sylvain, donc, qui officiait dans un groupe avec Nico, l'autre guitariste. Et il y avait notamment le chanteur de Clone, Yann. Donc c'était des potes de Bressuire et on les a croisés lors d'un festival. Et on a commencé à faire une démo, quelques concerts, et on est tombé par hasard sur Kéké lors d'un concert. On a fini genre en mode gros bœuf, et il a pris le micro, il a braillé, et Ludo et Vinvin, ils ont tilté sur sa voix, tout, et... voilà. Alors, il y a eu deux démos en autoprod. Deux démos, ouais. Ouais. Produites par... Yann Ligné, donc le chanteur de Clone, il avait de quoi nous enregistrer. Et comme on traîne tout le temps ensemble, bah, du coup on lui a demandé de nous faire les maquettes. Et on a trouvé donc notre premier label lors d'un concert à La Roche-sur-Yon. Donc c'était Holy Records, actuellement EMP. Enfin ils bossent, ils sont associés avec EMP. On a fait quoi, 2 albums avec eux. Ouais. Après, ben, en 2009, on a sorti donc l'album 13. Donc les deux premiers, c'était Through the Absurd et Alchemy Clockwork of Disorder. Donc c'est de sa faute. Les noms à rallonge. Et du coup, on a sorti 13 chez Season of Mist. Puis, on a encore changé de label et depuis, on bosse avec Clonosphère, avec une distribution Season of Mist pour la France. Et puis des deals à l'étranger, des licences, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur qu'est-ce que c'est que la clonosphère? C'est une association en fait de groupes de potes. Voilà, on était combien de groupes au début? 3 bah, c'est 4, parti, avec qui? 5. Avec Clone, Acrid, GTI, un groupe GTI. Nantais. On était à Poitiers, Bressuire. Si je me souviens bien, Piface, ils ont fait. Ils étaient dans la Clone? Je suis pas sûr. Enfin, voilà, il y avait Mistaken Element, donc un groupe de Niort. Anturus d'Archer. Et Anturus d'Archer, donc ça c'était moins métal, mais c'était plus contemporain, voilà. C'était jazz, barré, sans drumming, tout, c'était un peu spécial. Et c'est Guillaume qui a monté donc cette structure. C'est une asso à la base qui est devenue un label qui bosse en parallèle maintenant avec 6-9 Mist pour la promotion en France et Pélagique pour la promotion en France pour Cult of Luna, des groupes comme ça. D'accord. Voilà, donc ça a beaucoup évolué. Et ça fait booking aussi, non? Il n'y a pas ça, non? Il a un petit peu fait ça pour nous, Guillaume. Donc Guillaume, c'est Guillaume Bernard de Clone qui a monté Clonosphère. Il fait pas de booking. Ben, souviens-toi, il nous avait fait tourner en fait pour le deuxième album. Il s'était un petit peu aventuré là-dedans, mais ça l'a vite saoulé, je crois. Donc, et du coup, vous avez mais un lui, tourneur. Non, c'est label. C'est label. Ça, c'est de la promo. Nous, c'est de Link Prod. Avec Romain Monroe, en fait. C'est quoi, c'est spécial, spécial. Ah, ça, c'est une boîte de booking pour le petit garçon.
Et Clonosphère, ouais, du coup, c'est de la promo. Il sort une dizaine de disques par an. Voilà. Et là, du coup, on a sorti les deux derniers chez Guillaume. Donc, on a fait HNP et Voodoo Moonshine, rebaptisé Dambala's Voodoo Doll. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Justement, ça introduit ma prochaine question sur le dernier EP. Comment se passait le processus de création? Est-ce qu'il y a eu un plus par rapport aux autres avant? Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là. Ouais. Et comment ça se passe comment ça se passe la création à ce niveau-là? Comment vous êtes en arrivé là, en fait? Alors là, il y a deux, trois questions en même temps, en fait. Ouais. Mais, bon, grosso modo, moi, j'apporte les idées, enfin, les concepts musicaux uniquement. Et Kéké, il s'occupe vachement des lyrics et de l'ambiance autour. Après, on travaille vachement en groupe, voilà, quoi. C'est-à-dire que si j'arrive avec un plan pourri, on me le dit, point, quoi. Et c'est pareil pour les textes, on va vachement en parler avant, quoi. On essaie de saisir une recette avant d'aborder un album et on se laisse aller. Après, on a tout le temps la même façon de faire. Moi, je sais comment Sylvain groove, comment il joue, je connais ses outils. Donc, quand je vais composer un riff, j'ai tout le temps cette esthétique-là en tête, quoi. Tu vois. Et après, bah, nous, au niveau des cordes, basse, guitare, voilà, quoi. Moi, quand je maquette, j'ai les idées en tête, quoi. Ensuite, le dernier, ça a été particulier. On était en tournée en 2012 et j'ai traîné un soir avec Thibaut Chaumont, notre ingé son, qui nous a produit producteur sonore des trois derniers albums, enfin des deux derniers albums et du EP. Et il m'a dit, on discutait du groupe et un petit peu de l'esthétique et de l'artistique, quoi. Mais il m'a fait, c'est bien, mais il y a une entité, mais pas vraiment, quoi. Ça n'a jamais été assumé à fond. Alors moi, j'étais un petit peu vexé sur le coup, je lui ai dit, comment ça? Et là, il me dit, c'est que t'as des morceaux comme ça, mais t'as aussi des morceaux death metal, et puis des... C'est pas que ça fait fourre-tout, il y a quand même une couleur, mais faudrait vraiment assumer le truc et se l'approprier. Du coup, moi, c'était un petit peu comme un défi. On est rentré de tournée, il y a eu quelques mois derrière moi, j'ai eu le temps de réfléchir là-dessus. Et j'ai bossé pendant 3 semaines à fond, j'ai maquetté avec Ableton, et j'ai envoyé ça aux gars. Et on a commencé à répéter de notre côté, on a discuté un petit peu, on s'est échangé des idées, Kiki est parti sur le vaudou. Et voilà, on est arrivé là-dessus, sur l'esthétique. Enfin, ce qui fait très Pallium à travers ce EP, c'est passé comme ça. Maintenant, au niveau des arrangements, quand je conçois un riff de guitare, je pense vachement... Je pense pas comme un guitariste, quoi. Je vais vachement penser comme un batteur ou comme des cuivres. Je vais tout le temps chercher le phrasé. D'accord. Là, du coup, sur l'EP, il y avait les cuivres aussi, en plus. C'est ça. Donc, du coup, j'ai contacté Mathieu Metzger, donc, qui officie notamment dans Clone, et qui a travaillé avec l'ONG de 2009 à 2004, je ne sais plus. Donc, c'est un pote, et Zikos, que je respecte beaucoup. Je lui ai demandé s'il ne connaissait pas un arrangeur cuivre, parce que c'est un métier de travailler sur les tessitures et de connaître les tessitures de tous les instrus, quoi. Les trompettes, trombones, tout ça. Et du coup, il m'a branché sur Rémi Dumoulin. Donc lui, c'est un mec qui a joué avec Magma sur une tournée de reformation. Enfin, pas de reformation, une tournée anniversaire. Et merci. Et du coup je l'ai rencontré une fois. On a échangé. Ensuite, on a travaillé par téléphone. Je lui ai envoyé des fichiers. Et après, on s'est revus au conservatoire où je bosse, en fait. C'est un curieux hasard, quoi. Voilà. Et du coup, pour le live, vous les avez pas, la section cuivre, ou c'est quoi? C'est samplé? C'est samplé, ouais. D'accord. C'est que c'est compliqué de mettre, on va dire 4 cuivres, tu vois, faire une section, pour pas que ça fasse cica pourri, tu vois. Il faut un minimum de cuivres, quoi. Du coup, comment ça se fait qu'il y a un deuxième nom? Est-ce qu'il y a eu un réarrangement pour le label anglais, ou c'est que c'était un... Tu veux en parler, Kiki? Ouais, ça, je veux bien en parler. Alors, en fait, on a eu des soucis avec le titre d'album Voodoo Moonshine, et on n'a plus le droit d'employer, en fait, ce mot Voodoo Moonshine, puisqu'on a voulu nous faire des problèmes à cause d'un groupe qui s'appelle Voodoo Moonshine, qui est aux États-Unis. C'est ça. Mais bon, on n'en était pas sûr. En tout cas, le mec était très menaçant. Du coup, il m'a envoyé des mails en premier, en mode je te fous un procès au cul, t'es mort, tu vois. Genre, bon, c'est un gros truc. Ça nous a fait grave flipper. Au début, tu t'en fous. Après, le mec, genre, il t'envoie des pavés comme ça, mais à répétition à 3h du mat. Ma copine qui me fait bon, tu l'envoies chier, tu fais quoi? Non, mais là, il m'agresse littéralement, quoi. Et à répétition, et
je vais faire une injonction, je vais bloquer votre site, je vais faire ça, vous n'avez pas le droit, le nom est déposé. C'est... Voilà. Pour un monde à l'autre. Donc il y a un moment donné, j'appelle le mec qui a bossé sur notre pochette. Je lui ai dit, écoute, tu nous refais une pochette avec un autre nom, l'album va ressortir en Angleterre pour une réédition, on avait vendu tout notre stock, et on va en profiter pour le sortir sous un autre nom, ça va faire de la pub, ça en fait parler, et puis lui, on l'emmerde. Et puis voilà, donc on en a discuté un petit peu au téléphone avec Keke, on est parti sur Dambalas Voodoo Doll. C'était le nom d'un morceau, ça correspondait, voilà. Ouais, parce que par rapport à la pochette, et puis ça restait dans le thème. Et le gars, bon, il m'a lâché les baskets, quoi. Je lui ai renvoyé un mail pour lui dire, bon, tu vois, ça, c'est la pochette. C'est bon, on fait ça, voilà. Et on n'utilisera plus jamais Voodoo Moonshine. Quoi ? Voodoo Moonshine, interdit, Ludo. Interdit. Voodoo Moonshine. Moi, je suis pas trop dans la scène métal. Et du coup, quelles ont été les retombées, par exemple, d'un EP ? Parce qu'on... Visiblement, il y avait déjà ça dans Trépalion, dans les albums précédents. Mais là, pour le coup, en fait, ça consolide. C'est perçu comment, en fait ? Ça consolidait la fanbase. Enfin, en fait, c'est que Trépal, il y a toujours eu deux aspects. T'as le côté métal que tu vas retrouver sur le premier album ou sur HNP, par exemple. C'est le quatrième album, celui qui est sorti avant, en 2012. Et on l'assume complètement. Ceci dit, ce qu'on avait développé sur le deuxième et le troisième album, sur quelques thèmes, quelques morceaux, c'est ce qui a marqué les gens. Et c'est vrai que nous, on a toujours été partagés entre le côté metal prog avec des riffs à rallonge et tout, à mi-chemin entre King Crimson et Meshuggah ou Pantera, tu vois. Et ce qu'on a développé sur les syncopes et le côté shuffle avec les arrangements cuivre. Du coup, voilà, il y a le côté un peu schizo quoi, entre les deux. Et du coup, quand on est venu avec un truc 100% pur jus, groovy, tout ça, avec une imagerie sur scène et tout, c'est clair que les gens qui nous aimaient pour ce côté-là, ils nous ont soutenus à mort, quoi. Et ça s'est senti, même sur les ventes, du coup. Ce qu'on vendait en un an, on l'a vendu en deux mois, quoi, trois mois. Et voilà. Et ça n'a pas ouvert sur un nouveau public Un petit peu, mais ça s'est senti au niveau des concerts. Par exemple, là, on se tapait des fois des bides, voilà, que tu avais 60 pélos devant toi alors que tu avais fait trop de route. Ou alors, au mieux, on se tapait 150, 200 personnes. Là, maintenant, ça va de 150 à 500 selon qu'on joue dans la région ou pas. C'est déjà bien, quoi. On retombe sur nos pattes, on se fait plaisir avant tout. Et le public s'y retrouve. Et artistiquement, on voulait vraiment partir dans cette voie-là. C'est vrai, moi, pour le coup, quand on n'écoute pas, enfin, qu'on écoute pas de métal ou autre truc, enfin, j'ai apprécié de l'écouter, en tout cas, l'album, quoi, tu vois. Bah, c'est super. Donc, vous attachez pas mal, entre guillemets, d'importance à l'aspect un peu visuel et les clips. Est-ce que vous pouvez nous parler des quelques clips que vous avez faits ? Est-ce que c'est un truc, c'était une décision que vous êtes imposé ou est-ce qu'on vous a proposé ça, c'est par rapport à la nouvelle imagerie tout ça ? On voulait faire un clip de toute façon, mais c'est que c'est notre manager qui nous a proposé un mec sur Paris, Benjamin Capelletti, qui avait déjà bossé avec... Avec Meshuggah. Non. Magoa. Oui. Anthony Dubois, toi, tu parles. Ouais. Mais ils doivent se connaître. Avec Magoa, voilà. Et du coup, nos managers, donc, qui sont des membres de Betraying the Martyr, nous ont dit, tiens, bosser avec ce mec, il est pas cher, il bosse bien, il est efficace, tout. Et puis, il nous a envoyé des consignes. Enfin, la trame de l'histoire, on a validé. Et deux, trois jours avant qu'il vienne, on s'est briefé par mail, on a essayé de trouver la voiture, par exemple, de l'intro du clip. On a investi dans des vêtements, vraiment pour faire l'ambiance, on a cherché un lieu. Alors ça a été un gros travail d'équipe et pas mal de coups de bol, quoi. Non, on n'a pas bossé 2-3 jours avant, c'était... Non, c'était avant, mais ça s'est vraiment accéléré sur la fin, quoi. Ouais. Tu vois, la voiture, par exemple. Ça a été un gros travail d'équipe, quoi. Et lui, quand il est arrivé, il nous a dit, putain, c'est la première fois que je bosse avec un groupe. Tout le monde met la main à la pâte comme ça et ça fait plaisir, quoi. Et du coup, on a fait un travail, un bon travail. Lui, il n'avait pas écrit de scénario, c'est vous qui avez... Si, il en a écrit un, mais on l'a agrémenté. Par exemple, l'intro... Il avait donné des trames et lui, après, il a... Après, lui, il nous l'a dit clairement. Il a dit, voilà la trame, on a validé. Si vous avez d'autres idées, des lieux, des objets que je n'ai pas cités, vous me le dites et on y réfléchit, quoi. Par exemple, l'intro, Sylvain m'avait parlé d'un pote qu'on a sur Bressure, qui est mécano.
Il m'a dit, tiens, son oncle, il a des vieilles caisses, genre dans les, tu vois, les vieilles Ford et tout. Années 30, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, moi, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, écoute, on pourrait faire genre Lascar, on arrive, tu vois, dans la caisse et tout, Kéké, il drive la caisse et tout. Et lui, il s'est dit, nickel, ça colle à l'esthétique. Et puis, on a un petit peu improvisé sur le tas, tiens... Il y a une vieille usine désaffectée là-bas, on passe devant avec les murs et tout, ça ferait peut-être pas mal. Alors on a fait du repérage le jour même, mais en mode marathon, quoi. Un bar aussi qui faisait typique New Orleans dans la ville où on habite là. Par contre, au niveau des costumes, on s'est pas mal briefé entre nous ouais. En amont. Ouais. On s'est envoyé des photos, des mails, on a investi dans des cravates pourries qu'on n'a pas mis ensuite. c'était marrant. Trépalium, c'est combien à peu près de tournées est-ce que c'est régulier chez vous les tournées ou est-ce que c'est plus sporadique? Est-ce que c'est quoi d'un le... côté, ouais, parce qu'on n'en vit pas. On a des métiers plus ou moins en rapport avec la musique, mais on ne vit pas du groupe. Même si ça nous fait un 13e, 14e mois, c'est pas notre gagne-pain, quoi. Et du coup, quand on sort un album, en général, voilà, on se met d'accord sur une date de travail pour la Scénic, et Romain, le tourneur de The Link Prod, il nous propose des dates, on dit oui, non, selon les disponibilités. On essaye de taper le plus dedans sur les trois premiers mois, bien sûr, mais c'est une moyenne de 50 à 80 dates par sortie d'album, et hors promo, comme la date de ce soir, voilà. Il y en a quand même sur le territoire français, parce que j'ai vu que vous avez joué un peu partout, mais genre c'était avec Gojira quand vous avez ouvert. Donc globalement, quand vous êtes seul, vous faites quoi? Vous faites la France et quelques pays à côté? C'est ça. Et avec Gojira, on avait fait tournée européenne et tournée française une fois. Est-ce que tu peux nous en parler de la tournée un peu avec Gojira? Comment ça s'est goupillé? Qu'est-ce que c'est que ce... Kéké, 2020, on parlera mieux que moi. En fait, ils nous ont proposé de venir avec eux en tournée. Alors la première, c'était en 2009. On avait fait toute une tournée française avec eux, donc là ils nous avaient invités, et là après on a refait une tournée avec eux en 2012. Et c'est Mario qui... C'était Mario qui m'avait contacté pour qu'on puisse faire la tournée avec eux. Par contre, il m'avait dit, bon là les gars, on a besoin de fric, donc faut payer la tournée. Pardon. Et donc là on avait fait une grosse tournée française avant avec Acrid et Clone. Et après, en fait, on avait enchaîné sur un mois avec Gojira en Scandinavie, Europe, Angleterre. Donc c'était... Ça reste du tour support, donc il y a des budgets quand même, c'est payant. Après, c'est des bons potes à nous. Et Mario, il est très pote avec 2020 depuis 96-97, tu vois, ça fait un paquet d'années, ouais. Qui se connaissent, et du coup on a trouvé des arrangements, voilà. Du coup, pour vous, ça a un peu boosté le truc par rapport à l'influence des concerts À chaque fois, on était un petit peu dans la merde financièrement avant de sortir 13. Pas la première, mais... Si, quand même, parce qu'on était... La première tournée, on est revenu, on avait du... c'était bien. Hein. Ouais, c'est clair, ouais, c'est ce que je... on s'embrouille. Ouais. Et pour le bilan global, en tout cas... c'est vrai que de faire des tournées avec des groupes comme Gojira, c'est toujours cool parce que c'est blindé tous les soirs. C'est clair. Tu vends forcément un peu de merch. Quand tu tapes une tournée européenne avec eux, tu tapes sur. Je parle pas de la tournée Clonosphère, mais la tournée européenne avec eux, voilà, tu tapes entre 30 et 40 000 personnes sur un mois. Quoi. Ouais. T'es exposé. C'est, quoi. C'est énorme. Et en France, c'était quoi, une 20 000 personnes, tu vois, en l'espace de 20 jours, t'es content, quoi. Du coup, question, c'est quoi les futurs projets, l'actualité Pour l'instant, on finit les quelques dates, il reste ce soir, et une date à Quimper dans 2 mois, mais on voulait calmer le jeu pour faire un bilan un petit peu, et puis se reposer aussi, parce que comme c'est pas notre métier, c'est un peu chronophage, et puis ça te prend de l'énergie, et puis on tient, Tant qu'on rentre dans les clous et qu'on paye les frais, et puis les employés autour, c'est-à-dire les ingé-sons, les bookers, tout ça, tant qu'on retombe sur nos pattes, voilà. Pas de projet de nouveau disque. Le bilan, il est plutôt positif. Et on essaye de se donner un peu de temps aussi pour réfléchir sur la suite. D'ailleurs,
on pourrait composer sans arrêt, être dans un délire d'intermittence, tourner tout le temps, même pas dit que ça marcherait. Mais en tout cas, on pourrait rentrer dans ce délire-là, mais perso, moi, je garantirais pas que ça ferait de la qualité, quoi. T'as besoin de recul, de voir ce que t'as fait, de ressentir un truc. Et ça peut prendre des fois un an. D'accord, donc là pour l'instant vous prévoyez rien, pas d'enregistrement C'est pas évident à dire. Logiquement pour 2017 il devrait y avoir... Même pas sûr, parce que moi perso, tu vois, quand je me mets à composer, j'en sais rien. Peut-être que ça va venir comme une envie de pisser, quoi. Tu vois, tu te lèves un matin, tu te dis tiens, je vais essayer un truc, et t'as 15 000 idées à l'heure, et puis c'est parti, et t'es en mode autiste pendant 3 semaines. Et des fois ça vient pas, ou alors des fois tu vas galérer pendant 6 mois, tu ponds des trucs, t'es là, ouais, c'est pas cohérent, donc tu cherches un petit peu... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, t'as besoin de ressentir un sujet, quoi. Ouais. C'est pas un truc, voilà, donc. Du coup, est-ce que vous avez, hormis la clonosphère, un site web pour découvrir, ou est-ce qu'on peut écouter du... Comme tous les groupes, tous les groupes mettent des sons sur YouTube, mais on a aussi, la page Facebook. Il y a un site Clonosphère, Clonosphère Trépalium. Donc c'est juste une page avec le clip, le dernier clip qu'on a sorti, et des liens PayPal avec des t-shirts, du merch et tout. Donc pour se procurer les albums essentiellement grâce à la Clonosphère, quoi. Si on veut se les acheter en version physique. En fait t'as un site Trépalium, quoi. Tu tapes Trépalium Group, ça va être sur la première page Google. On s'occupe de faire les envois aussi quand il y a des mecs qui nous demandent. C'est plus souvent genre à l'étranger, mais les gars ils nous demandent de leur envoyer. Là c'est un peu DIY, quoi. D'où ma question, c'était ça. S'il y avait un maillot, si par exemple la Clonosphère, il y avait quelqu'un qui était dans la Clonosphère qui se chargeait de ça, ou... En fait c'est Guillaume Bernard qui coordonne. Mais on a un fonctionnement, c'est de l'indé, et on met tous la main à la pâte, tu vois, on a accès à la page Clonosphère aussi. Moi je peux voir un petit peu tous les messages qui sont envoyés, tu vois. Donc est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose à raconter, à partager, ou est-ce qu'il y a un point sur lequel un point qu'on n'a pas abordé, que vous souhaiteriez aborder? Pas de truc trop salace, que je vois qu'il sourit. Vas-y, Kéké. Non, mais ça, c'est ce que... Enfin, là, les gens voient pas ce que je viens de voir passer. Mais j'ai vu un cul passer, donc c'était assez marrant. Et donc, on a plein d'anecdotes comme ça, avec plein d'histoires comme ça, à la con. Mais ouais, je peux pas tout raconter devant les caméras. Un jour, faudrait qu'on fasse un bouquin avec On pourrait faire un bouquin. Ouais, ça marchera peut-être mieux que l'autre. Après, si on peut sortir un documentaire. Ouais. Sur toute la tournée de l'album Vaudou là qu'on a sorti. Comment plomber sa vie avec la musique. Voilà. C'est super intéressant. Et non, ça va être un documentaire, donc il va y avoir plein de choses. Là le gars est hyper prêt en ce moment, mais ça devrait sortir. Vous aviez déjà sorti des lives, ou il y a deux DVD Officiellement deux DVD. Non, officiellement non. Il y avait eu un ou deux titres, mais c'était pas bien. Que j'ai vu ça sur YouTube. On en a déjà parlé entre nous, tu vois, en mode faudrait qu'on se filme et tout, qu'on fasse un genre vraiment, ou en mode studio répète, ou alors filmer plusieurs lives et faire des vrais montages qui nous plaisent, travailler avec une mise en scène. Tant qu'à faire, ouais. Mais tu sais, entre ce que tu prévois et ce que tu peux faire, tu sais, faut de l'argent, faut du temps. Et puis des fois, tu travailles à fond sur des trucs et c'est pas le résultat que tu veux, donc. C'est comme pour l'histoire de produire un album, quoi, tu vois. Tu peux faire de la merde, mais plein, quoi. Tu vois. Faire un bon truc, ça, c'est pas de l'usine, quoi. Voilà, t'essaies. Bah, du coup, ouais, donc pas d'autres points à aborder. Non, voilà. Des trucs qu'on n'a pas. Vous avez envie de dire ou... On s'éclate toujours autant après 15 ans. je vous remercie. Ouais, merci. Merci à vous. À une prochaine. Ah, okay. Ciao. À bientôt. Salut. Bravo.